Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va continuer notre nouille, voilà où on est. Alors je me suis aperçue, mais c'est pas un grand problème, la Fifi qui arrive, je me suis aperçue que bon, j'aurais dû faire un peu plus de mailles au départ, mais bon. C'est pas très grave. Donc, si vous la voulez très longue, au départ, vous faites plus de mailles. Au lieu d'en faire 100, vous en faites 120 ou 150. Voilà. Ou même 200. Mais bon, c'est pas grave. Donc, là, moi, c'est surtout pour vous la montrer. Donc, ça ira, ça va plus vite. Du coup. Donc là, comme je vous disais sur la dernière vidéo, je vous le disais d'avancer sur le rang, le dernier rang. Moi, c'est ce que j'ai fait puisque le rang est exactement pareil que l'avant-dernier. Donc, j'allais pas vous le montrer, vous faire... perdre du temps à regarder encore la même chose. Donc, je vous rappelle. Alors, ici, on a la chaînette qui a du coup 100 mailles. Le premier rang, ça fait 200 mailles. Qui a donc deux brides dans chaque maille de la chaînette. Le troisième rang, avec deux brides dans chaque maille du premier rang, donc 100, 200, 400, et le dernier rang, donc ça fait 1, 2, 3, 4, le quatrième, en comptant la chaînette, hein, normalement ça ferait 3, donc 2, 4, et celui-là, ben, il a 600 mailles. Donc, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Non, 800, voilà, ça y est, je ne sais plus compter. Donc là, on est arrivé à 600 mailles. Donc, maintenant, je cherche mon bout. Donc là, vous avez vu, ma pelote, elle commence à rétrécir. Donc maintenant, on va continuer. On va changer un peu notre rang, juste pour faire une petite fantaisie à notre écharpe. Donc, je vais vous remettre en face bureau pour que vous voyez mieux. Alors, me voici. Donc, on est au bout de notre travail. Hein? Donc, on va prendre notre dernière maille. Comme sur les autres rangs, on va faire 3 mailles en l'air. Bon, ben alors. Ah, ça y est, voilà. 3 mailles en l'air. 2, 3, voilà, je vais vous agrandir un peu pour que vous voyez mieux. Sur le premier rang, on va faire une première bride. Voilà, comme les autres. Hein. On refait une deuxième bride dans le même trou. Voilà. J'ai mon fil qui est accroché. Et ici, alors, on va faire une, deux. Alors, on va faire deux mailles en l'air.
Attendez, que je ne dise pas de bêtises. 1, 2, 3. Non, 4 mailles en l'air, excusez-moi. Je compte en même temps, du coup, 1, 2, 3. Quatre. Et là, je viens, alors, en bas, j'ai mes deux brides, je viens piquer ici, après la deuxième bride, après la première bride, pardon. Ça va pas ce soir, hein. On va refaire une bride, donc je pique, voilà, on va refaire une bride dans le même trou. Voyez, comme ceci. Allez, on refait 4 mailles en l'air. 3. 4. Et je viens piquer entre les deux. Entre les deux paquets de brides du bas. Je fais une bride. Je refais une bride dans le même trou. Voilà, voilà ce que j'obtiens pour le pour l'instant. Et je refais 4 mailles en l'air. Et on va faire comme ça jusqu'au bout. 3. 4. Je viens piquer entre mes deux paquets de brides. Voilà. Et je refais une bride dans le même trou. Et toujours comme ça. 1, 2, 3, 4. Je vais chercher au milieu de mes deux paquets de brides du dessous. Je fais ma bride. J'en fais une deuxième. Attendez, oups, j'ai mon fil qui se coince. Voilà. Voilà. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout. 1, 2, 3. Allez, j'en fais encore un avec vous. Et après, on va le faire toute seule. Alors.
Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Et vous allez faire ça jusqu'au bout. Donc, 4 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille, 4 brides en l'air, 2 brides dans la même maille, etc. Toujours comme ça jusqu'au bout. Allez, on se retrouve pour voir le résultat à la fin. Et il nous restera un rang à faire. Et ensuite, je verrai si on met un froufrou ou pas. Fifi qui me marche sur l'ordinateur. Ma Fifi. Ah, 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 ah. Oh là là, ça y est. Oh, oh là là. Bonjour Fifi. Dis bonjour à tout le monde. Bonjour, c'est moi. Oh, elle m'a griffé. Elle m'a griffé la jambe. C'est rien, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Alors, attendez, parce que je me suis ennouée dans mes fils. Alors, comment j'ai fait ça? Oui, c'est le nouille, mais. Donc, j'ai terminé le dernier rang. Voilà. Donc, normalement, si vous l'avez fait en même temps que moi, vous devez être au même endroit. Voilà. Alors, maintenant, vous avez le choix. Soit vous voulez encore faire un rang. Donc, vous refaites un rang entier, comme ceci. Voilà. J'ai mal. Voilà, c'est mieux. Soit vous refaites un rang entier comme ceci. Donc là, dans les trous, vous pouvez faire 4 fois une bride. Donc 4 brides. Et là, vous faites. Alors, ça ferait 4. Et là, vous en faites une, deux. Voilà. Ça vous fait 6 brides à chaque fois pour finir le tour. Ou soit vous faites comme moi. Alors attendez, je cherche le bout. Le voilà. Je l'ai commencé. J'ai été chercher une pelote. Comme ceci. Chez Action. Je n'ai pas trouvé de pelote. Oh mais alors que je me suis emmêlé les pinceaux. Mais je ne vous dis pas. Alors attendez, je me démêle les pinceaux parce que ça va aller mieux. Oh là là, je reviens, je me démêle. Voilà, j'ai réussi à me démêler. Oh là là. Donc je disais, j'ai été chercher une pelote. Vous voyez, c'est une pelote fourrure à Action. Donc c'est une très grosse pelote. Hein. Je vais la mettre à l'endroit. Donc c'est faux four, c'est marqué, donc fausse fourrure. C'est des pelotes de 200 grammes, 120 mètres, c'est dans les 4,90 €, 99 € un truc comme ça. Alors, c'était la dernière, donc j'ai pas eu trop de choix. Enfin, si, il y en avait une deuxième, mais elle était complètement destroy. Et puis, elles étaient toutes les deux noires, donc bon, j'ai pris celle-là, hein, bien sûr. Je cherchais, vous voyez, la frange, comme j'avais fait sur celle que je vous avais présentée, celle qui était argentée, il n'y en avait pas. Ce matin, je suis allée chez Zeman, il n'y en avait pas non plus. Donc, ben, j'ai pris celle-là. Alors, chez Zeman, il y a aussi de la fourrure comme ça, mais elle est beaucoup plus fine. Voilà. Elle est moins chère, mais elle est plus fine. Et la pelote est beaucoup plus petite. Donc, c'est à vous de voir. Donc voilà, là ce qu'on va faire du coup, c'est faire une bordure, voyez, comme ça, en fourrure, tout le long. Alors ici par contre, ça se tricote, ça se tricote. Il faut un gros crochet, un numéro 10, donc c'est pas un gros problème. Donc on va
Alors, pourquoi ils se détricotent? Ah oui, mais non, parce que ils se détricotent parce que je tire sur le fil. Bien sûr, si je tire sur le fil, ça s'enlève. Voilà. Alors, donc, on va reprendre. Je vais vous montrer. On va refaire ça tout le long pour finir l'écharpe. Et donc, comme j'avais expliqué, là, elle est courte, l'écharpe. Vous voyez? Hop. Elle n'est pas très... Alors, attendez que je vous montre. Voilà, vous voyez? Elle arrive en dessous des lolos. Donc, bon, on peut faire un tour comme ça. Voilà. Hop. On ne peut pas la faire tourner vraiment... Ou alors vous faites comme ça et avec une jolie pince, voilà ici, voyez une jolie pince, voilà comme ça. Là, ça va être une courte. J'ai fait quand même une courte parce que sinon ça aurait été très très long à faire pour le tuto. Mais vous pouvez la faire beaucoup plus longue, c'est-à-dire qu'alors du coup au lieu de faire 100 points comme on a fait là, 100 mailles, vous pouvez faire 120 mailles de départ, 150, 200 au démarrage. Hein. Faire oh, comment? Ça y est, je cherche mes mots, c'est le soir. La première bordure, vous faites... j'ai un problème. Ah non, c'est mon fil. Ah! Là, ici. Je vais vous le remarquer en dessous. Ah, c'est le soir, hein, je cherche mes mots. Au lieu de faire 100, comme ici, 100 mailles, bah, vous en faites 200 et là, bah, vous aurez une écharpe qui fera le double de ça. Voilà, comme ça, vous pourrez faire deux fois le tour de votre tête. Mais là, celle-ci est déjà très belle, voyez. Et puis, vous mettez une jolie pince sur le devant. Voilà, comme ceci. Et ou alors vous pouvez vous la mettre comme cela sur l'épaule. Elle sera très belle également. Voilà. Donc là, on va terminer la bordure ensemble. On va déjà faire un morceau et on revoit à la fin ce que ça fait. Allez, je mets le téléphone face bureau sans la queue à Fifi et on se retrouve tout de suite. Alors, nous voici. Donc, bon, c'est comme tout point de crochet, à part que là, bah, on va faire un point serré. Donc, c'est tout simple. On va passer sous le fil vert, chercher la fourrure. Hop, on a deux. Alors là, c'est un peu plus difficile à voir, hein, peut-être. On a deux boucles sur notre... crochet, on va rechercher le fil fourrure et voilà, on a serré, on a fait notre maille serrée. Alors ici on est dans la bride, donc bon, avec un, là c'est un gros crochet, c'est un peu plus compliqué. Hop, voilà. Et voilà, une maille serrée. Mais je peux pas faire ça. Vous êtes fière, je deviendrai la traîtresse et me détruirez. Il détruit déjà là. Je repasse dans ma bride. T'arrêtes là. J'ai besoin de ton soutien. Alors là, j'ai un peu plus de mal parce que mon crochet est épais, hein, c'est pour ça. Je vais chercher mon fil. J'ai mes deux boucles. Je vais rechercher mon fil. Je m'aide un petit peu, voilà. Voyez. Ici, là c'est plus simple. Je passe dans et j'en fais un. Là, je pense que 3, ça va suffire parce que ma laine est très très grosse là. Enfin, ma fourrure. 2.
Et 3, voilà. Voilà. Voyez. Donc, pareil, je repasse dans ma bride. Je vais rechercher mon fil, enfin ma fourrure. Et je passe dans mes deux boucles. Hop. Je vais en faire 3. Je vois 2 et le troisième. Voilà, voyez. Et voilà, et on va faire comme ça jusqu'au bout. Donc jusqu'en main serrée pour faire notre petite bordure de fourrure noire. Allez, je vous laisse finir jusqu'au bout et on se retrouve à la fin. Donc voilà, ça y est, on a terminé notre nouille. Je pense que celles qui faisaient en même temps que moi l'ont terminé également. Donc moi, je l'ai fignolé. Oui, on se dit. Hein. Je l'ai terminé avec un ruban fourrure. Alors, attends, je vais peut-être allumer là pour qu'on voit mieux. Oui, voilà. Avec un fil fourrure donc que j'ai eu à Action. Hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Là. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous montre en entier ce que ça fait quand Fifi aura fini de passer. Non, c'est pas pour toi. Allez, tu passes. Hop, voilà. Donc, voilà ce que ça fait. Je vous la mets autour du cou. Hop. Bon, donc là, comme j'avais expliqué, elle est courte. Hein. Donc, vous pouvez la faire beaucoup plus longue. Donc, au lieu de faire une chaînette, ça y est, j'ai retrouvé le mot. Une chaînette de 100 mailles, comme on a fait au début, vous pouvez faire une chaînette de 150 ou 200 mailles. Attends mon bébé, comme ça elle sera beaucoup plus longue pour vous. Alors plus long c'est, plus il vous fera de la laine bien sûr. Parce que là, arrivé au bout, donc ici quand on compte au niveau de la fourrure, on est à près de, je sais plus, j'ai pas tout à fait compté, mais on n'est pas loin des 2000 mailles. Voilà, on a commencé avec 100. Alors, ça tourne. Alors, du coup, je cherche le bout. Allez, hop, on a commencé avec 100 mailles. Voilà, ici, 100 mailles. Le premier rang, 200. Le troisième rang, 400. Le cinquième rang, 800. Alors, j'ai dit 1, 2, 3, 4. Le cinquième rang, 1600. Voilà. Et 1600. Ouais, donc on est à plus de 2000. Ouais, on est à plus de 2000 mailles arrivées au bout de l'écharpe. Donc, c'est quand même une belle écharpe. Voilà. Donc, je vous montre. Attendez, je vais me mettre debout pour que vous voyez jusqu'où elle va. Voilà, elle va jusque là. Donc, vous pouvez la fermer avec une petite épingle. Ou alors, hop,
sur l'épaule, comme ça. Donc elle est super chaude, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai chaud là. Hop. Alors niveau lavage, il va falloir vous, par rapport aux pelotes que vous aurez, il faudra vous reporter à la laine que vous avez achetée, hein, bien sûr. Voilà, comme c'est du velours et de la fourrure, ça va être un lavage à la main. Hein. Voilà. Bon, voilà ce que ça donne. Oui, je le remets. Attends, pousse-toi mon bébé. Maman, elle t'aime. Mais, hop, voilà. Donc, voilà ce que ça fait. Alors, si vous l'avez faite, ou si vous allez la faire, vous pouvez me... Hop, hop. Vous pouvez m'envoyer bah, les photos de vos nouilles, de vos échappes. Alors, soit sur mon Facebook, soit sur mon email. Alors, on m'a demandé si j'avais pas un groupe pour ça, pour le tricot. Bon, j'ai déjà un groupe pour le diamond painting. J'ai un groupe pour bon, le groupe pour le scrapbooking. Je m'en occupe pas beaucoup, c'est vrai. Donc, je ne sais pas. Je veux bien ouvrir un groupe pour le tricot. Et puis, ce que je vais faire, je vais mettre un sondage dans la communauté pour savoir si ça vous intéresse. Et je mettrai un sondage également, certainement sur Facebook, parce que je ne vais pas ouvrir un groupe, et puis que, parce que j'ai aussi un groupe de coloriage, voilà. Et puis que, après, je vois que 3 personnes qui viennent sur le groupe. Voilà, ce n'est pas très intéressant. Donc, je veux bien en ouvrir un. Mais bon, il faut que j'ai des personnes qui viennent dessus, puis qui soient quand même un peu assidues. Voilà. Donc, donnez-moi votre avis. Est-ce que ça vous intéresse? Puisque je vous dis, il y en a qui me l'ont demandé. Voilà. Alors, cette petite écharpe, je vais vous refaire une petite vidéo avec dans la semaine, parce que je la garderai pas pour moi. Je vais certainement vous la faire gagner. Voilà, je vais vous la faire gagner certainement, je vais voir. Je vais m'occuper de ça dans la semaine. Un mini concours certainement, et puis je vous la ferai gagner peut-être. Si vous êtes sage. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si ça vous a plu de faire cette écharpe, si vous l'avez fait. Dites-moi si vous allez la faire. En même temps, bah, dites-moi si le groupe, ça vous intéresserait. Et puis dites-moi si ça vous intéresserait le petit concours pour gagner cette écharpe. Voilà. Ne participez pas ici, hein. Je ferai une petite vidéo à part pour vous faire gagner cette écharpe. Voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Il y aura d'autres tutos que je vais préparer dans les semaines à venir. Et nous, on se retrouvera très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses. Je viens de le dire en double, mais ça fait rien. Allez, gros bisous, à bientôt.